Ok, avant que la vidéo ne commence, je suis en train de faire le montage là et j'ai décidé d'un petit truc. J'ai envie de faire kiffer l'un d'entre vous pour vous remercier pour tout ce que vous me donnez finalement. Et je sais que vous êtes des gourmands, du coup je vous offre une carte cadeau de 50 € sur Uber Eats pour vous faire plaisir devant ma prochaine dégustation. Vous avez juste à liker la vidéo, le plus important être abonné à la chaîne YouTube, condition fondamentale, en activant la cloche de préférence, c'est toujours sympa. Et surtout commentez cette vidéo pour que je puisse vous tirer au sort. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur, je sais pas. J'annoncerai le gagnant dans ma story Instagram quelques jours après la vidéo, donc venez me suivre si vous voulez savoir si vous avez gagné. Ça serait bête que ça vous passe sous le nez. Voilà, j'espère que vous appréciez, c'est pas grand chose mais on fait ce qu'on peut. Et je vous avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme on se retrouve en ce mercredi soir, 18 h, n'est-ce pas? Tu le sais très bien, t'as activé la cloche, tu t'es abonné. Allez, 3 secondes de vidéo, c'est envoyé, ça c'est fait. Et blague à part, évidemment, j'espère que vous allez tous très bien les amis, et que vous êtes en appétit aujourd'hui, parce que ça va manger sévère là, je vous le dis. C'est clairement la plus grosse commande de bouffe que j'ai pu faire dans ma vie, puisque j'ai commandé, mesdames et messieurs, absolument toute la carte de chez Pepe Chicken, pour un total, tenez-vous bien, de 89,24 €. Ça va manger du poulet frit pendant quelques jours, là, moi je vous le dis. La liste est longue les amis, et évidemment on reviendra dessus juste après, mais au moins vous avez déjà la preuve que je vous ai pas putaclic. Et non, vous ne rêvez pas, on va bel et bien tester tous les burgers, tous les tenders, tous les wings, tous les accompagnements et même toutes les sauces de chez Pepe Chicken, une enseigne que j'aime énormément et que je me réserve spécialement pour les vidéos. Je sais que vous adorez aussi. Bref, vous aurez mon avis sur tous les produits, leur prix, leur qualité, le goût, etc. Et sur ces belles paroles, on passe tout de suite à la dégustation. C'est parti! Ok les amis, je crois que là c'est complètement aberrant. Regardez-moi ça. Il faut que je vous montre ce que j'ai sous les yeux. Et je vous préviens tout de suite, je vous ai épargné l'unboxing parce que c'était très long. 2 énormes sacs bien remplis, j'ai découpé les bords des petites boîtes pour faire une jolie miniature. C'est juste incroyable, je salive comme un malade là. Venez voir. Est-ce que j'ai réellement ça sous les yeux depuis avant? Oui, effectivement. Les 2 boîtes qui mixent wings et tenders, épicés ici et pas épicés là. Les 3 burgers juste ici. Les 3 accompagnements par là. Le petit wrap, le petit maïs frit. Et puis des sauces en veux-tu en voilà. D'ailleurs j'en ai eu 2 en plus, je sais pas pourquoi mais tant mieux. Bref, c'est complètement délirant, on va goûter tous les produits un par un. Je suis complètement surexcité. Surtout affamé. Bon alors évidemment moi je ne sais pas par quoi commencer, mais il va falloir faire un choix. Je vous propose de commencer avec quelque chose que je n'ai jamais goûté, les wings nature les amis, qui sont dans cette petite boîte qui contient 3 wings et 2 tenders pour le prix de 11,90 € avec une sauce en accompagnement. Alors je suis pas spécialement wings habituellement, mais là c'est censé être de la bonne qualité et surtout c'est frit, pané. Regardez-moi ça, ça fait rêver. Et bon app à tous ceux qui mangent, c'est important. Force aux autres comme d'habitude, ça bouge pas. Ah ouais. Ah oui, c'est mignon, c'est sympathique, on va pas se mentir. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que je mange des wings panés comme ça, frits, tu vois ce que je veux dire? Ils font aussi ça à KFC et tout, j'imagine, c'est ça? Quand je mangeais des wings, moi, c'était ceux du supermarché dans les sacs au micro-ondes, là. C'était pas la même, croyez-moi. C'est une dinguerie. C'est quoi cette histoire, là? Pourquoi on m'avait pas prévenu? C'est trop bon, bordel de merde. La façon dont c'est fait est délicieuse, je suppose que pour les gens qui aiment ça, c'est un régal. Après encore une fois, malheureusement, je suis plus team tenders, clairement les os et tout, moi ça me casse un peu les couilles. Mais en tout cas, c'est réussi et pour le peu de wings que j'ai mangé dans ma vie, je pense que c'est clairement les meilleurs. Petit pickles pour la route. Et oui, ça passe toujours, clairement. Je vous propose de passer sur un accompagnement avec les frites de patates douces. Quantité monstrueuse sur tous les accompagnements, clairement ça on peut pas leur reprocher. Et à la fois la barquette est à 4,90 €, donc en vrai c'est plutôt cohérent. Globalement grand amateur de frites de patates douces. C'est la première fois que je les goûte chez Pepe Chicken et tout de suite elles ont l'air chaudes et croustillantes, donc ça fait plaisir. Délicieux, clairement validé, j'y retourne tout de suite. J'aime trop le petit côté sucré de la patate douce comme ça, franchement ça ajoute vraiment un truc je trouve. C'est trop bon. C'est trop bon. Ah, ça commence bien cette histoire, on va pas se mentir. Et j'en profite pour enchaîner sur ce produit, la sauce verte qu'on va tester avec les patates douces également. Avec la sauce piquante, c'est les 2 sauces que j'ai pas goûté, donc très curieux de voir ça. Je suppose que ça va être une sauce aux herbes, hein. Ok, alors pas mal du tout, j'arrive pas forcément à cerner tous les ingrédients, mais il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il y a de la ciboulette dedans, et c'est une herbe que je déteste. Au même niveau que la coriandre, j'ai horreur de ça. Un peu dommage, parce qu'habituellement j'adore les sauces herbacées comme ça, là. Non vraiment c'est pas mal mais il y a un petit truc qui me dérange un peu quand même. Ça manque de fun je trouve, même si elle a un petit côté un peu acide comme ça. Est-ce que c'est aillé? Je sais pas. Bon elle est bonne hein, mais il faut vraiment être fan d'herbe. Après je trouve ça cool qu'il l'ait faite quand même, elle est très différente des autres, donc pourquoi pas. 90 centimes d'ailleurs pour cette sauce signature, comme toutes les autres quand tu les prends à part. Oh, on se régale n'est-ce pas? Pour la suite je vous propose d'enchaîner sur un burger, et je crois que c'est le Pepe Burger, le basique, composé de 2 giga tenders de poulet, du fromage, la sauce pépé et de la salade. Peut-être aussi des oignons caramélisés ou quelque chose comme ça, si j'oublie quelque chose désolé. En tout cas pour moi ça c'est le basique, je l'avais déjà goûté et très clairement c'est une dinguerie. Mais pour en avoir le cœur net, regoutons ça aujourd'hui, à nous deux. C'est juste un régal, le pain est délicieux et moelleux. Les tenders, bah c'est exactement les mêmes qu'en dehors du sandwich. D'ailleurs, c'est peut-être le reproche que je ferais au burger de Pepe Chicken. Clairement, ça serait cool pour moi d'avoir le même poulet, mais sous la forme d'un truc qui rentre dans le burger en une pièce. Et pas en 2, parce que c'est vrai que des fois, ils ont tendance à se casser un peu la gueule. Pour celui-là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On verra si ça le sera pour les autres. En tout cas, c'est tout simplement incroyable, les tenders sont toujours aussi bons. Le fromage a du goût et la sauce est délicieuse. Deuxième croc obligatoire. C'est pas drôle en fait. C'est pas du jeu cette histoire. Ah là là, bref, Pepe Burger, validé. C'est pas donné tout ça, hein, clairement, c'est se faire plaisir. Mais alors qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. En fait, le poulet, il a vraiment un goût signature que j'adore, je le dis à chaque fois. Et c'est tellement important dans une enseigne comme ça, je trouve. Bref, ça m'est bien. Je vous propose de passer sur du spicy et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai jamais goûté quoi que ce soit d'épicé chez Pepe Chicken, ni le burger, ni la sauce, ni les tenders ou les wings. Du coup, c'est le grand moment et je suis curieux de voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça arrache la tronche. Alors moi, je suis sensible au piquant, mais j'aime bien ça en ce moment, j'y vais de plus en plus. Et je suis curieux, du coup, j'espère que ça va bien m'arracher la tronche là. Mais vu la couleur, j'ai l'impression que ça va pas trop rigoler. J'avoue, j'ai un peu peur, mais on verra bien. Big Box Spicy, encore une fois, 2 tenders et 3 wings exactement comme avant, sauf en version piquante. 12,90€ cette fois-ci, donc 1€ de plus que la classique. Avec une sauce au choix, encore une fois, offerte. Ça, c'est cool. Allez, on va sur un tender, j'espère que ça va être bon. C'est bon, alors effectivement c'est un peu relevé quand même, faut pas avoir peur de ça. Je pense que quand on n'est pas habitué ça peut faire tout drôle, hein, surtout que c'est quand même pas rien. Mais alors c'est assez intéressant dans le sens où c'est vraiment très différent du nature. C'est presque un peu surprenant parce qu'on en perd presque le goût signature dont je vous parlais à l'instant. Alors est-ce qu'en mettant un peu de sauce avec ça va revenir? Voyons voir. Deuxième sauce du coup pour l'occasion, creamy barbecue que je connais et que j'adore, qui est également dans un burger. Hop hop hop, regardez-moi ça. Ok, c'est déjà meilleur comme ça. Et surtout, je crois que le premier croc, c'était quasiment que de la chapelure au bord là. Du coup, c'est effectivement bien le poulet qui a ce goût-là, qui est délicieux. Et clairement, ça pique, hein, je vais pas vous mentir, c'est bien relevé quand même. J'aime bien, mais je ferai pas tout un repas comme ça, clairement, parce que je pense qu'à la longue, j'en aurais un peu ras le cul. Mais en tout cas, c'est bon, c'est validé. On enchaîne? Allez, on passe sur ce petit morceau de maïs frit. Ça fait très envie et ça coûte 2,90€. Donc là, vraiment petite faim et c'est pareil, c'est pas quelque chose que je prends souvent. Mais à mon avis, ça va être pas mal. Let's go! Ok. Bon, alors je suis pas spécialement habitué à ce genre de produit, encore une fois, comme je vous le disais. J'adore le maïs, mais alors c'est la première fois que je le bouffe de cette façon. Et je sais que ça se fait énormément, hein, désolé si je passe pour un extraterrestre. Je crois que KFC font des trucs un peu dans le même style aussi. C'est des bails à l'américaine, ça, si je me trompe pas. J'y retourne un coup et je vous donne mon avis. Ok. Bon, et bah c'est pas mal cette petite cobette, je crois que ça s'appelle comme ça, mais ça me transporte pas dans l'espace quoi. C'est assez agréable à manger, disons c'est frais, mais c'est quand même à la fois assez gras, puisque bah ça a baigné dans l'huile si j'ai bien compris. En bouche t'as dans un premier temps un côté gras et après ça devient un peu plus maïs tu vois de base, mais en vrai je prendrais pas ça comme ça pour mon plaisir, tout simplement parce que bah ça me fait pas très plaisir justement, mais pour ceux qui aiment ça je pense que c'est plutôt réussi. On enchaîne avec le petit wrap à 4,90€, produit que j'avais déjà testé en vidéo qui est composé comme dans le Pepe Burger, sauf qu'il n'y a pas de fromage si je me trompe pas, il y a un énorme tenders, une galette, de la salade et la sauce Pepe tout simplement. Franchement ça marche plutôt bien pour un petit accompagnement en plus, un petit side, et let's go, viens voir là. Eh oui, c'est bon. C'est bon à tel point que j'ai envie d'y retourner avec un peu de sauce barbecue. Oui, je vous avais prévenu, je l'aime bien. Miam, miam, miam. Dinguerie. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est très réussi, et d'ailleurs j'oubliais aussi les petits morceaux d'oignons comme ça. Oignons caramélisés, confits, j'en sais rien. En tout cas ça pareil, c'est validé, même si je préfère un peu le Pepe Burger, c'est pas le même prix. Le tender c'est un peu plus fin d'ailleurs, hein. Il y a un peu plus de chapelure, moins de poulet. Un tout petit peu déçu du wrap pour le coup, mais il nous reste encore énormément de belles choses, et oui. On passe sur les waffle fries à 4,90€ la barquette, encore une fois chargée de fou. En vrai ça peut presque suffire pour deux hein, les accompagnements je trouve. Avec un burger, des tenders et tout à côté, c'est tellement copieux que ça suffit. Hop, on teste ça nature. Ouais ça tue hein, quand même, on va pas se mentir. Peut-être un petit peu plus gourmand que les patates douces à l'heure actuelle, puisque malheureusement elles ont un peu ramolli. Alors que ça reste croustillant, c'est un très bon point. Et on va en profiter pour regoûter ça avec la petite pépé sauce que je vous ai pas encore présentée. Individuellement en tout cas, puisqu'elle était bien présente dans le burger et dans le petit wrap, vous ne rêvez pas. Encore une fois 90 centimes pour cette sauce et regardez-moi ça. Ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais pour moi la Pepe sauce c'est un de leurs meilleurs produits en fait, tout simplement. Avec la creamy barbecue c'est clairement ma préférée pour le moment. J'ai pas encore goûté la hot, on verra bien. Mais c'est délicieux, la première fois j'ai pété un câble, je m'y suis presque habitué, c'est triste. Waffle fries solo ou bien avec la Pepe sauce, ça marche. On se remet un peu de sauce aux herbes pour voir. Ah non, non, définitivement pas convaincu par cette sauce, dommage. Ça peut pas être un 20/20 non plus, faut pas abuser. Allez, il est l'heure de passer sur un deuxième burger et j'ai pris le Smoky One à 12,90€, donc 1€ de plus cher que le premier. Mais tout de suite, il est beaucoup plus gros, alors je sais pas si c'est le fruit du hasard ça, mais il est hyper haut, tu vois, il est vraiment bombé, il est monstrueux là, c'est abusé. Il y a une énorme tranche de fromage au-dessus, de la tomate, de la salade, et puis des oignons frits, j'ai l'impression, c'est possible ça. Celui-ci a l'air vraiment monstrueux, même si je crois que je l'ai déjà goûté en vidéo. Pas certain de la tomate en dessous là, c'est pas encore tout à fait la saison, surtout qu'il y a deux énormes tranches, mais on peut pas dire que ça fait pas envie, on y va. Regardez-moi ça là. Ok. C'est pas la même, hein. C'est quand même clairement pas la même que le premier. Je sais pas pourquoi, il paraît beaucoup plus mastoc tout de suite, c'est n'importe quoi. Par contre, vous voyez, ça là, j'en parlais tout à l'heure, je le tiens en main, il a 2 doigts de s'effondrer, c'est dommage. Surtout que bah là, le tender s'y paraît vachement sec quoi, t'as vraiment intérêt à le garder dedans. Et d'ailleurs, j'ai pas trop senti la sauce dans celui-là, c'est dommage, il y a tellement de poulet au final qu'on la sent même plus. Est-ce qu'on peut reprocher ça? Je suis pas sûr. On y retourne un petit coup. Ouais. Quel plaisir. C'est monstrueux. Clairement validé, gros banger, finalement les tomates passent bien. Le poulet est un peu en bordel, c'est le seul truc encore une fois que je reproche et c'est dommage. Ça gâche presque un peu l'expérience du burger je trouve. Dans le premier ça se faisait beaucoup moins sentir, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un peu moins d'ingrédients, regardez franchement côte à côte tu vois c'est pas la même quand même. Ça dépend peut-être aussi des filets en vrai tout simplement. Je sais pas lequel je préfère mais alors clairement c'est bon. Et comme je trouve qu'il manque un peu de sauce, hop là. On y retourne avec un peu plus de barbecue. Mais regardez-moi ça, les morceaux de poulet. C'est une monstruosité le truc là. Ça devrait pas exister ça. Allez, on retourne sur la toute première boîte que j'ai goûtée avec les tenders classiques. Bon là, je vous mens pas, je les connais bien, mais obligé de partager ça avec vous. C'est quoi ce poulet les potes là? Je vais pleurer là. En vrai ça, si c'est pas leur meilleur produit, je sais pas moi, je suis désolé hein. Pour moi ça c'est Pepe Chicken tu vois. Ça là, c'est Pepe Chicken. Pensez ce que vous voulez de ce que je suis en train de dire là. Pour moi ça c'est la signature, le goût. Regardez-moi ce tender, il fait presque la taille de ma main. Ça c'est Pepe Chicken. Voilà, j'aime bien. Allez pour l'occasion, on va goûter la dernière sauce, 90 centimes toujours, la spicy. Et je vous avoue si c'est aussi piquant que sur les tenders d'avant là, ça va être sympa. Allez on y va et pas de main morte. Sinon c'est pas drôle, on fait ça à la Hot Ones. Pour ceux qui ont la ref. Elle a un super bon goût déjà. Alors est-ce que ça pique? Ok, c'est en train de venir un petit peu. Est-ce que ça va s'arrêter? Ouais, c'est bon, ça s'est arrêté. En vrai, ça va. C'est plutôt tranquille et c'est même, je dirais, très bon d'ailleurs. Donc j'y retourne avec la sauce, honnêtement, c'est un régal. Elle a un super bon goût vraiment et elle est bien épicée. Ça s'arrête au bon moment, c'est pas trop fort non plus. Magnifique cette histoire, franchement j'adore, c'est bon. Putain, belle découverte la sauce là, franchement ça s'y prête très bien. La sauce piquante est meilleure que le piquant des poulets en fait, je sais pas comment expliquer. On pose ça pour le moment et on enchaîne. Dernier accompagnement, les tater tots à 5,50 €. Regardez-moi ça, ça m'a l'air tellement gras, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu une boîte comme ça, c'est du délire là. C'est du gras ou c'est de l'eau frérot le truc là? En tout cas c'est très mignon et ça fait envie. Allez on goûte sa nature, c'est une grande première. Ok. Alors clairement pour ceux qui connaissent, bah c'est des rusty ou rusty, je sais pas comment on dit, dans une autre forme tout simplement. Passé à la friteuse aussi quand même, donc petit effet gras en plus. Petite sauce pépé pour la peine. Viens voir là. Non mais cette sauce elle me rend ouf moi. Et puis sauce creamy barbecue. Encore meilleur en vrai. J'arrive pas à départager ces deux sauces mais clairement c'est les deux meilleures. Même si la spicy est très cool, bah elle est spicy quoi, mine de rien tu peux pas la manger à la pelle tu vois. Ouh là là j'adore. Finissons-en avec la boîte piquante, ça va m'arracher la tronche encore une fois. Puisqu'il est l'heure de passer sur les wings mesdames et messieurs. Est-ce que ça sera comme avant? Je pense que oui. Non vraiment les wings c'est la révélation de la vidéo. Par contre je maintiens ce que je disais sur le poulet piquant comme ça. En fait c'est moins agréable parce qu'on sent que c'est une épice, que c'est une poudre presque. Ça colle aux lèvres, ça colle au palais et puis ouais c'est juste vraiment piquant pour être piquant quoi. La sauce est un peu plus élaborée que ça je trouve. Donc vraiment pas fan, je préfère la box nature à la box spicy. D'ailleurs dans la box spicy les pickles sont remplacés par des jalapeños. Mais vous voyez j'en ai vraiment plein les doigts de cette poudre là. Et c'est ça qui pique, c'est un petit peu dommage même si en vrai je vois pas comment on pourrait faire autrement. Par contre le poulet, ça bouge pas, c'est magnifique. J'adore. Ça me fait presque marrer cette histoire. Oh, ça me fait marrer ça. Oh, que c'est bon. Et nous voilà devant le dernier produit de la carte. J'ai gardé ce qui m'intriguait le plus pour la fin, le Hot One. Alors, est-ce qu'on va avoir droit non seulement à la sauce piquante et en plus au poulet piquant dedans? Il y a des chances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, on n'a pas du tout la même chose que dans les autres. On a une genre de sauce orangée un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Peut-être que c'est un mélange de la sauce piquante et de la sauce pépé. Honnêtement, aucune idée. Mais j'ai pas l'impression que c'est juste la sauce piquante en tout cas, puisqu'elle est censée être rouge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien le poulet piquant. Est-ce que c'est le burger ultime ou est-ce qu'il va juste m'arracher la tronche gratuitement? On découvre ça. Santé. Alors bordel, déjà ce qui est sûr, c'est que c'est délicieux. Vraiment, je crois qu'en fait les burgers, c'est ce que je préfère avec les tenders classiques. Mais il est en train de se passer quelque chose dans ma bouche là. Putain. Les lèvres picotent un peu, le palais, la gorge. Pour un truc qui se veut un peu grand public comme ça, ça pique quoi. Tu vois? Si tu prends un truc hot, tu l'as. Après, est-ce que c'est désagréable pour autant? Franchement, non. Hein. Si vous êtes amateur de piquant ou même un petit peu, je pense que vous pourrez le supporter largement, voire l'apprécier logiquement. Même si encore une fois, évidemment, on a le goût du piquant aussi, mine de rien. C'est pas juste une sensation, hein, ça serait con. Donc là, on a vraiment le caractère relevé sur ce burger et très clairement, c'est pas inintéressant. Allez, on y retourne pour un verdict final. Mais ça arrache quand même, hein. Ça arrache la connerie là. Oh, je me suis fait niquer là-dessus là. Ouais, clairement là, on m'a pas menti, hein. Ça déménage, mais alors franchement, c'est très bon et c'est validé. Et c'est terminé, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Quel plaisir, quel régal. J'ai encore la bouche qui pique, hein, je vais pas vous mentir. Le spicy c'est Pepe Chicken, c'est pas une blague. Vous faites pas avoir. Là, ça a du caractère, ça a du goût. Si vous aimez ça, par contre, vous allez être servi. Une chose est sûre, tous les burgers sont masterclass, les tenders et les wings aussi. Tout ce qui est poulet spicy perso, pas très fan en vrai. Même si la sauce spicy est délicieuse, les trois autres sauces sont bonnes, avec une petite préférence pour la pépé et la barbecue. Tous les accompagnements sont très cool aussi, même si j'ai un petit peu moins aimé les tater tots et le maïs. Vous l'aurez donc compris, c'était globalement un plaisir, même si encore une fois Pepe Chicken c'est pas donné, c'est pas nouveau, on va pas le rabâcher à chaque fois, vous avez compris. C'est toujours aussi bon et j'ai toujours autant envie d'avoir vos avis dans les commentaires, donc lâchez-vous. Pensez au pouce bleu toujours sur ce genre de vidéo qu'on envoie tout en haut au sommet là. Il faut que ça pète comme d'hab, je sais que vous kiffez donc donnez tout. Surtout abonnez-vous parce qu'encore une fois vous êtes une minorité d'abonnés seulement, c'est dommage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. En attendant portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.